Hortus Focus. Hortus Focus. Hortus Focus présente. On est ici à la limite du Mortagne médiéval, donc limite des remparts. Il faut imaginer un coteau défensif, donc complètement nu, et au 18e, le propriétaire de l'époque, la famille Boutillier, a eu l'idée de créer ce jardin en terrasse, orienté plein sud, dans l'esprit des jardins romantiques de l'époque. La commune a commencé par acheter en 1974 les terrasses du bas. En 1994, la commune a acheté le presbytère, donc le bâtiment qui donne sur la place Ulin, la place de l'église, et les terrasses hautes. Chaque terrasse a son ambiance, la petite terrasse de curé, le potager, ensuite ici c'est le repos et la méditation, ensuite un verger, et puis on accède progressivement au fond de vallée avec un coteau plus sauvage, et on va en quelque sorte du plus organisé au moins organisé pour arriver en fait dans le fond de vallée près de la rivière où là c'est à la limite le grand paysage se suffit à lui-même. À l'époque, quand on regarde les actes anciens, il y avait même, paraît-il, une vigne plantée de muscadet, mais elle n'existe plus. Alors le potager est divisé en deux parties. Une partie que la paroisse a conservée pour continuer à cultiver les fleurs qui permettent d'embellir l'église. L'autre partie est gérée par la commune, par un agent communal. Il travaille aussi en étroite collaboration avec les enfants de la commune, soit dans le cadre scolaire, soit dans le cadre de l'accueil de loisirs. Les enfants viennent semer, planter, entretenir. Vous avez vu un hôtel à insectes qui a été installé par eux. Il y a un certain nombre de pièges également qui sont installés. Donc il y a un vrai travail qui est fait sur l'environnement à ce niveau-là. Et la production, les légumes, les fruits sont donnés au Secours catholique. Ici, on est dans une culture tout à fait biologique, en tous les cas, tout à fait en accord avec le développement durable et la protection de l'environnement. Ouais.